Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content. J'ai reçu un colis et vous savez ce que c'est? Ce sont des anneaux. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis adepte de tout ce qui est haut poids de corps. Et là, j'ai décidé de me mettre à fond sur les anneaux. Donc, avec vraiment des programmes bien spécifiques. Donc, je vous montrerai tout ça. Comment justement aussi apprendre les croix de fer, les planches, enfin, tout ce qu'on peut faire avec des anneaux. Je vais essayer d'être le plus complet possible et je pense que ça va être le début de plusieurs vidéos qui peuvent être vraiment cool. Ok, donc je vais ouvrir tout ça, voir un petit peu comment ils sont. Voilà les beaux petits anneaux. Ah, ça va être cool avec les sangles ici. Donc maintenant, il faut que je me trouve un super spot. J'ai pas envie de me trouver, tu sais, un spot comme je m'entraîne en ce moment dans le street workout. J'ai envie de faire ça un peu plus genre nature, tu vois, essayer de me trouver une branche ou je sais pas quoi. On va voir ce qu'on trouve en espérant que ça va être cool. Mais en nature, ouais, c'est mieux. Il va falloir que je me trouve un coin d'ombre parce que là, c'est vraiment chaud. Je sais pas combien il fait, mais je suis en train de cramer dans la voiture. Si je fais ça en plein soleil, ça va être trop compliqué. 36 degrés. Bon, c'est bon, hein, j'ai trouvé une petite forêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un petit endroit sympa. Je vais vous montrer déjà, ça a l'air d'être vraiment cool, franchement. C'est quand même chouette, hein. Tu vois, il faudra un arbre comme ça, là. Le truc, c'est que il y a trop de feuillage en dessous, donc c'est pas top. Et franchement, c'est immense ici, c'est un truc de malade. Je suis en train de me faire une randonnée, là, je trouve rien du tout. Un truc de fou. Il me faut juste une branche un peu à l'horizontale comme ça là. Puis voilà, c'est tout. C'est pas dur à trouver quand même dans une forêt comme ça. En fait, elles sont toutes trop hautes. Oh, les endroits par lesquels je passe. Ça, c'est de la branche, tu vois. Il m'aurait fallu un truc comme ça, mais bon, voilà. Je pense que je vais devoir retourner au parc de street workout. Oh, l'échec total. Ah, puis c'est surtout si je veux faire ça régulièrement, c'est mort. Hein. Je vais pas me taper une randonnée à chaque fois pour faire des allos. Hein. Je crois que j'ai abandonné l'idée. Bon, le temps du trajet, je vais vous expliquer un petit peu le projet. Moi, à la base, donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis issu de la gymnastique et j'ai toujours adoré donc et fait du travail à poids de corps. Après, je me suis formé donc dans tout ce qui est musculation, donc en plateau muscu. Je suis plus là à vouloir, tu vois, garder un bon physique à poids de corps, être bon. Et puis tout en étant bien dessiné, tu vois. Mais je cherche pas à être un Golgoth. Et je sais que les anneaux, c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait progresser à fond quand j'étais gymnaste. J'avais autant pris de la force que une bonne masse musculaire, mais tout en restant bien sec. Donc c'est vraiment ça que je recherche. Il n'y a rien de plus important que d'être le plus fonctionnel possible et le plus fort possible. Mon corps, c'est mon outil de travail surtout. C'est-à-dire que je veux être absolument capable de faire ce que je veux avec. Enfin, moi, j'ai eu pas mal aussi de blessures, tout ça. Donc surtout au niveau du genou, donc tout ce qui est prévention, je trouve ça super important. Savoir bien s'échauffer, avoir une bonne mobilité, tu vois, au niveau de l'ensemble du corps et une bonne souplesse, c'est vraiment les choses qui sont essentielles pour moi et puis c'est ce qui me permet de me sentir vraiment bien. Si tu es dans cette même optique, bah écoute, tu peux me lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner parce que je pense qu'il y aura des prochaines vidéos qui vont sûrement t'intéresser sur cette chaîne parce que je compte bien la développer. Je sais que ça prend beaucoup de temps. Parce que le fait de se filmer, le fait de faire des montages, tout ça, c'est quand même quelque chose bah voilà, qui prend du temps. Mais c'est cool, je trouve ça cool de partager tout ça avec vous. Et puis si je peux vous apporter certaines choses, c'est vraiment avec un grand plaisir que je le fais. Je fais des coachings à côté, je commence à en avoir de plus en plus. En attendant, j'aimerais justement bien développer ça pour pouvoir retourner au Cirque du Soleil. Là, ils sont un peu en stand-by en ce moment, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va repartir. J'espère que courant... début 2021, je serai de retour là-bas à Montréal pour faire les spectacles. Au final, je vous ai partagé un petit peu mon approche et ma vie sur ce petit chemin qui m'a mené à strictement à rien. Dans tous les cas, je retrouve un spot, un truc, même si c'est pas dans une forêt, tant pis. Puis voilà. Moi, je vais essayer avec ça, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de les accrocher dans ici là. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, clairement, ils sont pas tout à fait à la même hauteur, mais je pense pas que ça va trop me gêner, étant donné que je peux les régler. Ils sont réglables, donc c'est cool. Bon, par contre, je vous avoue, ça fait super longtemps que je suis pas monté sur des anneaux, donc voilà, je vais faire quelques petits trucs, histoire de tester un peu ce que ça donne.
en fait ça va grave faire l'affaire, c'est trop cool. Ah, j'ai mon petit spot, c'est parti, regardez. Voilà mon petit arbre qui est là, là. Et mes anneaux qui sont là. C'est pas magnifique ça? Dites-vous que j'ai la voiture. Attends, je vais vous montrer quand même. J'ai la voiture, elle est juste ici. C'est nickel. Bon, tu vois, par contre, pour les équipes, je suis quand même assez emmerdé. Parce que là, en fait, je suis complètement au max, si tu vois. Mais si je te montre la lumière ici, il reste plus que ça, là. Donc au final, c'est un peu la galère. Ouais, du coup, les anneaux par rapport aux équipes, c'est chiant. Il faudrait que le tronc soit un tout petit peu moins large pour que je gagne au niveau de la sangle. Je sais pas, je verrai. Bon, après, c'est pas une priorité pour l'instant, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa par la suite de faire des petits handstands sur les anneaux. Oh, par contre j'en chie, hein. Je pense qu'il va falloir que je reprenne la base vraiment depuis le début. En tout cas je vous partagerai mes entraînements et puis bah voilà, si on peut échanger par rapport à tout ça, si toi aussi t'es intéressé par les anneaux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'on peut ouais, vivre une petite aventure sympa ensemble. Désolé pour la galère du début, hein. Je pensais vraiment que j'allais pas trouver. Au final, au retour, j'étais passé juste devant et voilà, j'ai trouvé un petit spot super sympa, donc ça va être vraiment chouette. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner, hein, si tu veux partager un petit peu l'aventure avec moi et puis que je te donne quelques petits conseils par rapport à ça. Je suis également preneur de tes conseils si tu en as et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, bye.